comment vous allez pouvoir augmenter vos marges, gagner plus d'argent, faire un meilleur résultat net grâce à la puissance des tunnels de vente. Les tunnels de vente, ils sont un petit peu mal vus et surtout la plupart d'entre vous ne connaissent pas la puissance d'un tunnel de vente et donc du coup se limitent énormément à leur vision du tunnel de vente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite passer sur mon écran et je vais essayer de vous dessiner, excusez-moi, je suis pas très bon en dessin et encore moins sur un PowerPoint, mais je vais essayer de vous expliquer quelle est la puissance aujourd'hui des tunnels de vente et pourquoi ils sont si intéressants à mettre en place dans vos business. Je vais partager mon écran. Donc on va prendre cette slide ici et on va, alors déjà ce qui est intéressant sur cette slide, vous voyez, c'est que j'ai sur un seul Google Slide, hein, c'est un outil gratuit de Google quand vous avez un compte Google, où j'ai tous mes titres de formation. Je vous dis juste ça, c'est déjà aussi un petit peu de travail en tout cas c'est déjà une façon de faire qui est intéressante pour vous. Alors on va partir du principe que je veux vendre une formation comment devenir. Alors on va la mettre en orange, un gros contour, on va mettre là. Et cette formation, elle s'appelle Comment devenir un manager charismatique et faire évoluer votre carrière. Donc la solution qu'on résout, donc, tout simplement, c'est comment devenir finalement, comment augmenter sa carrière grâce à ces techniques de management. Donc ce qui est évident, c'est que ça va intéresser des personnes. D'accord ? Donc ça, c'est ma formation que je veux vendre. D'accord ? Sauf que pour vendre cette formation, de l'autre côté, ici, j'ai mon audience que j'ai construite grâce au module précédent, grâce à... Donc j'ai une audience, d'accord ? Cette audience, et autour de cette audience, donc j'ai d'autres personnes qui peuvent être potentiellement intéressées. Je vais mettre en arrière-plan. Et donc là, on va dire que c'est l'audience de niveau, c'est mon audience principale. Et ce qui est en gris, c'est mon audience secondaire. Je vais mettre une... C'est-à-dire, c'est l'audience de mon audience. Audience de mon audience. En gris. Alors. Mais il faut que j'emmène ces gens-là, mon audience, il faut qu'ils aillent acheter ici. D'accord ? C'est mon objectif. Je dois les faire acheter ma formation. Sauf que entre ce moment où ils achètent ici et ici, il va se passer beaucoup de choses. Et il y a très peu de mon audience. C'est difficile d'envoyer directement, par exemple, mon audience ici, leur dire directement d'acheter comment devenir un manager, puisqu'ils ont beaucoup d'objections. Et puis peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'étaient pas un manager charismatique. Peut-être que, si je mets ça en noir, peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui pensent être un manager charismatique. Et donc moi, j'ai besoin de transformer cette audience en personnes intéressées qui, demain, dans le futur, achèteront mon produit. Donc qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais leur proposer de télécharger téléchargement gratuit. J'invente en même temps, mais vous voyez que j'ai une certaine maîtrise, parce que je connais pas du tout ce domaine du manager charismatique. Mais je vais leur proposer un téléchargement gratuit, et qu'est-ce que je vais leur proposer? Je vais leur dire les 10 profils. Je vais mettre pourquoi vos équipes vous détestent. 10 profils de manager nocif. Donc là, je leur fais prendre conscience que potentiellement, ils font partie de cette cible-là.
ce sont peut-être des managers nocifs. Donc je leur fais un petit guide, je prends un PowerPoint comme ici. Moi, si aujourd'hui, si par exemple je vous montre ici, notre guide sur, sur LinkedIn, celui-ci, c'est un PowerPoint, vous voyez, qui fait une quarantaine de pages, qui est très très complet, très pratico-pratique. Là, on a fait des exemples, on a pris du temps. Hein. Et ce guide-là, en fait, tout simplement, on l'a téléchargé en PDF, et c'est ça qu'on met en téléchargement sur notre page de vente. Donc, vous allez créer un PDF comme ça, mais en téléchargement gratuit. Vous savez du coup que les personnes qui téléchargent ce guide sont intéressées par leur technique de management. Ou alors, plutôt, plus que 10 profils, 10 techniques de management que vous devez arrêter immédiatement. C'est encore plus intéressant puisque là, en faisant ça, vous savez que les gens vont se poser des questions. Donc là, c'est un email, un guide gratuit. Mais entre passer d'ici à ici, imaginons que du gratuit à un produit, si cette formation elle est très complète, que vous allez vendre 990 euros, par exemple, ça serait le prix de la formation. Ce qu'on va pouvoir faire avec les tunnels de vente, c'est qu'on va chauffer votre audience avec des plus petits produits pour les habituer à faire des achats. Alors moi, je suis un peu... voilà, j'aime bien que ça soit bien aligné. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Par exemple, je vais pouvoir, avant de leur dire de devenir un manager charismatique, je vais leur proposer une autre formation qui est qui va être... Donc là, on va la mettre... C'est pas... C'est tout ce qui est gratuit, je vais le mettre en vert. Avec le texte. Voilà. Et la formation intermédiaire, je vais la mettre en bleu. Ici, sans compte. Et là, on va essayer de leur vendre un produit à 197 euros, par exemple. Voilà. Pourquoi j'arrive pas? Ah oui, parce que j'écris en blanc. On va essayer de leur vendre un produit à 197 euros. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur vendre? En fait, il faut qu'on arrive à trouver un produit intermédiaire sur notre tunnel. Et qui est une vraie problématique qu'ils se posent et qu'ils veulent résoudre. Et par exemple, alors je réfléchis, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on veut que des gens deviennent charismatiques et faire évoluer votre carrière. On peut leur dire comment se faire écouter par ses équipes et gagner leur confiance. C'est-à-dire que c'est une première étape avant de devenir un manager charismatique. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être une autre idée. Comment faire évoluer son salaire. On va les taper directement dans quelque chose qui est important pour eux. En étant manager. Je ne sais pas si ça, on arrivera à le vendre à 97 euros, mais j'essaye de vous montrer la démarche de réflexion qu'il y a. Je vais retirer. Et ça, on va le vendre à 197 euros. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Je vais mettre ça en bleu clair. Pour que... Voilà, on voit qu'il y a deux idées. Comment on ça déjà, on va pouvoir faire, en fait, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des emails. Alors, je vais les faire comment, les emails? Je vais les faire comme ça. On a des gens qui vont télécharger le guide. Et on va leur envoyer des emails pour acheter. Faire comme ça, on réduit un petit peu. Donc, E1 pour email 1, E2, E3, E4. Les emails, pour qu'on les reconnaisse, je vais les mettre en blanc avec un contour bleu clair. Donc,
Je vais réduire la taille. Donc là, je vais leur envoyer des emails. Et qu'est-ce que je vais dire dans les emails ? Bah, tout simplement, je vais prendre toutes leurs objections. Ces gens-là, ils ont des objections, d'accord ? Et je vais les traiter. Par exemple, je vais d'abord finir mes petites flèches là. Dans l'email 1, ça peut être la première objection, ça va être qu'ils n'ont pas le temps, le manque de temps pour se former. De temps. Donc je vais leur raconter l'histoire de Jean-Pierre qui était directeur, qui était manager et qui n'avait pas le temps de traiter, de se former ou en tout cas de passer du temps avec ses équipes. L'email numéro 2, autre objection, ça va être gestion des profils compliqué. Par exemple, oui, c'est pas mon job de gérer les profils compliqués. Donc, encore une fois, je vais essayer de faire ça propre. On va leur écrire un email sur ça. Le troisième, c'est, ça va être, je vais couper le son. Qui vous êtes ? Est-ce que vous êtes pertinent ? Ils vont vous demander. Donc, qui je suis ? Et enfin, là, vous allez leur expliquer l'importance de l'écoute, de savoir se faire écouter, de savoir se faire écouter. Et donc là, on a comme ça créé un tunnel où on va en faire en sorte que la personne achète ici notre produit, notre première formation. C'est la puissance. Et puis bah du coup, ça, on pourra ensuite, si je vais jusque là, le dupliquer ici pour vendre. Alors c'est pas dans ce sens-là, dans ce sens-là, pour vendre notre programme plus cher. Ça sera bien sûr d'autres objections, d'accord ? Mais vous comprenez là le principe. Je vous expliquerai après comment créer les emails, etc. Donc ça serait un premier tunnel basique, d'accord ? Fait d'emails. Mais ce qu'on peut rajouter, c'est qu'en fait, pour chacune de ces objections, en fait, on peut les transformer en page avec une petite vidéo. Donc, si je fais tout ça, en fait, tout d'un coup, ça devient des pages. Alors, je vais les mettre en... Ce sont des pages gratuites, je vais les mettre en vert. Alors, hop, on va faire comme ça, comme ça. Et chaque email va envoyer vers une page. Et donc, vous allez pouvoir prendre le temps de nurturer, d'expliquer à votre audience qu'ils ont des étapes à passer. En termes de produits, un tunnel de vente aussi, ça m'énerve, je veux qu'il aille là et là. On a des méthodes sur des tunnels de vente qui sont très intéressantes, qui sont ce que l'on appelle, je vais prendre une zone ici, on a ce que l'on appelle des bumps, des upsells et des downsells. Et un bump, un upsell et un downsell, on va pouvoir le faire systématiquement quand on va vendre quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est un bump ? Un bump, c'est sur la page de vente du produit à 197 euros. Je vais mettre une zone comme ça, souvent c'est une zone jaune,
Tac, ici. Et on va lui proposer de télécharger, par exemple, un kit de réunion. À kit de réunion de confiance. Donc les gens. Et on va le vendre en plus à 27 euros. Qui n'est pas obligatoire, mais qui va vous permettre tout simplement de proposer de la valeur, encore plus de valeur à votre audience. Donc tout le monde ne va pas le prendre, le kit, mais c'est une possibilité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bump. Donc le bump, je vais le mettre en jaune. On a ensuite l'upsell et le downsell. Un upsell, c'est qu'après que la personne elle a acheté 197 plus 27 euros, par exemple, vous allez pouvoir lui proposer un coaching. Voilà. En disant, bah, est-ce que vous voulez que l'on fasse une réunion d'une heure où là vous êtes tout seul? Coaching. Là, c'est une formation où vous êtes complètement seul, ce qui est dommage. Je sais que beaucoup de mes clients aujourd'hui ont des difficultés. Les upsells, je vais les mettre en rose. Je sais que j'ai beaucoup de mes clients qui ont des difficultés à réussir tout seul. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une heure ensemble de coaching ou plutôt d'accompagnement. À peu importe l'heure, par exemple à 147 euros pendant une heure en visio conf, et on va faire un point sur votre parcours. Et ce qui va être intéressant, c'est que en fait cet upsell il sera disponible nulle part d'autre, il sera disponible que pour les personnes qui ont acheté cette formation. Vous pourriez aussi en faire un autre ici, un upsell, d'accord ? Vous pourriez faire un upsell ici aussi. Probablement plus cher, puisqu'on est déjà à 997. Donc là, vous pourriez leur dire, est-ce que vous voulez un accompagnement sur 3 mois pour 1200 euros ? Voilà. Donc là, on a les upsells. Mais les gens peuvent vous dire, ah non, moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Et donc, du coup, on va faire un downsell. Un downsell, je vais mettre ça en blanc. C'est quoi ? C'est de dire, ok, bah vous voulez, par exemple, c'est pas obligatoirement ça, hein, c'est pas obligatoirement des accompagnements, les upsells, ça peut être d'autres produits. Mais, ok, vous voulez pas, ça ne vous intéresse pas, le coaching, eh bien, je vous propose, du coup, de rejoindre un groupe de soutien à 27 euros par mois. Voilà. Donc là, on leur propose un groupe de soutien à 27 euros par mois. Non, c'était pas ça, c'est ça, c'est ça et ça. Et je peux faire la même chose aussi ici. Donc vous voyez la puissance, c'est qu'en fait, on va augmenter nos marges parce qu'on va vendre ça. On va vendre ça. En plus de la formation. En fait, de quoi on profite dans un tunnel de vente? On profite du momentum de vente. C'est-à-dire que quand quelqu'un est prêt à acheter, on peut lui vendre d'autres choses. Mais c'est des choses qui vont lui apporter de la valeur, du soutien, etc. Et qui vont surtout répondre à ses objections. Par exemple, ça aurait pu être, dans le qui suis, j'ai aussi la peur de ne pas être accompagné. Ben, on lui vend l'accompagnement. On sait qu'il a un doute sur l'accompagnement. Mais comme l'accompagnement en privé, en one-one, est quelque chose qui va nous demander du temps, on le met à un prix suffisamment élevé. Et puis s'il le refuse, on dit, ben, est-ce que par contre tu veux rejoindre un groupe où on va s'entraider, où vous allez vous entraider ensemble? Ça, c'est les options. On peut faire autrement. Donc vous voyez comme ça qu'on peut construire avec un tunnel de vente un vrai parcours
qui est très très rentable. Et une fois qu'on a du coup ce parcours qui est très rentable, le gros avantage de notre audience, c'est qu'on va chercher dans l'audience, on va chercher les mini-formations, upsell, bump d'abord, bump, upsell, downsell, grâce à nos échanges. Quand vous avez une audience qui est extrêmement puissante, c'est qu'en fait, vous allez répondre à leurs besoins. C'est les échanges qui vont créer la création de mini-formations. Et c'est ça qui est très puissant. Du coup, vous allez gagner beaucoup plus d'argent avec plein de petites formations comme ça que vous allez prendre le temps de créer qu'avec des très grosses formations en présentiel. Et c'est ça la puissance des tunnels de vente et qui sont souvent très, très mal exploités. C'est qu'en fait, bah du coup, c'est un cercle vertueux. Les gens vont, vous allez avoir des managers charismatiques dans votre audience. D'accord? Et cette audience-là, derrière, elle va vouloir devenir des directeurs ou peut-être qu'ils vont devenir des entrepreneurs comme vous. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer des échanges, des discussions. Vous allez avoir des idées de mini-formation. Vous allez savoir que pour aller plus vite, il y a certains qui voudront en plus de ça un kit de démarrage. Ils voudront des exemples de publication. Ils voudront des choses et vous allez leur offrir. Et puis à la fin, vous allez aussi leur proposer du upsell et du downsell. Et vous allez comme ça recontinuer et recréer, vu que votre audience aura évolué ou une partie de votre audience aura évolué et qu'il y aura des nouveaux besoins dans votre audience, recréer d'autres formations. Et plus les années vont passer, plus votre audience sera importante, plus vous la connaîtrez, plus ça sera facile de créer des formations. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive à faire beaucoup, enfin je vais pas dire beaucoup d'argent parce que je sais que vous n'êtes pas tous là pour gagner beaucoup d'argent, mais en tout cas pour avoir des entreprises qui sont beaucoup plus faciles à gérer et où la stratégie, vos stratégies marketing est beaucoup plus facile à mettre en place. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur la puissance des tunnels de vente. C'est très très puissant et du coup on va passer par la suite. Je vous montrerai comment on crée tout ça sur system.io dans la partie très opérationnelle de la formation, mais vous voyez l'intérêt de créer des tunnels de vente. Donc on se retrouve dans le chapitre suivant.